revoir, les toucher, bah, à chaque fois, t'as une tonne de souvenirs qui reviennent en relation avec les compétitions. Combien de titres? 59 titres. Ça, on ne s'en rend pas compte vraiment de ce que ça représentait ce chiffre, c'est énorme. Quand on est sportif de haut niveau, gagner un titre c'est bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui gagnent des titres. Mais en gagner 59, ça met le curseur tellement haut que ça. C'est difficile même de l'imaginer. Mais de quoi faire rêver, hein. Il a innové, il a amplifié la valeur du handball, surtout à son poste. C'est énorme, c'est énorme. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément de jouer, mais c'est de gagner. On aurait tendance à se dire, bon, une fois, deux fois, trois fois, mais lui, ça fait 20 ans que ça dure, quoi. C'est pas une coïncidence si, quand tu es au meilleur dans les buts, tu as plus de chances de gagner que l'équipe que tu as en face, quoi. Ensemble, et que je suis fier d'avoir gagné et bien joué et d'avoir bien honoré et bien clôturé toutes ces années de bataille sur le terrain ensemble et toutes ces victoires et ces défaites. C'était une grande aventure et je suis tout simplement heureux d'avoir eu le privilège de connaître et de jouer avec Aïtier Omeyer qui pour moi est le plus grand gardien de tous les temps. Fait partie de ma vie depuis mon plus jeune âge. C'est vrai que mes parents jouaient tous les deux et dès l'âge de 3-4 ans, j'étais dans les salles. C'est ici que tout a commencé. On venait voir nos parents jouer et puis derrière, on a débuté avec cette petite balle qui ne nous a plus jamais quittés. Quand j'ai signé ma première licence à l'âge de 6 ans, de ce que je peux me souvenir, c'est que dès mon plus jeune âge, j'avais pas envie de perdre. Une fois qu'il avait quelque chose dans la tête, il l'avait pas ailleurs, comme on dit. Ça, c'est pour ça aussi qu'il a fait une telle carrière. Quand je prenais un but, des fois, j'avais envie aussi de participer au jeu. Et du coup, je prenais la balle, je dribblais, j'essayais de dribbler tout le terrain et j'allais marquer des buts. Il a eu une enfance handballistique studieuse, bien organisée, avec des bons coachs. Bon, il n'y a pas eu de miracle, il n'est pas allé. Personne ne l'a découvert au fin fond d'un tournoi. Non, non, tout s'est fait dans l'ordre des choses, quoi, voilà. Au dire de ceux qui l'ont vécu de très près à cette époque,
il n'était pas extrêmement talentueux, Thierry Omeyer. Et il n'était pas dans les tout meilleurs, il n'était pas retenu dans les stages jeunes, en tout cas pas régulièrement. Je me rappelle de mon premier stage national. On était 6 gardiens, je crois, et on m'avait mis 5e. Et encore, le 6e, il s'était blessé pendant le stage, donc il n'était pratiquement pas entraîné. Donc c'est vrai que j'étais un peu dans l'incompréhension. Je me rappelle juste qu'au mois de juillet, je m'étais entraîné tout seul chez moi. Tous les exercices que je pouvais faire, des exercices d'assouplissement, de parade, pour m'améliorer, pour montrer aussi que les entraîneurs s'étaient trompés. On est arrivé avec mon frère jumeau à CST en même temps et on a franchi les étapes à peu près en même temps. On s'est retrouvé dans l'équipe 1 à partir notamment de cette année 96-97 où on jouait tous les deux tous les matchs. Première rencontre, mais c'est vrai que c'était hallucinant. Je me rappelle, je suis venu à Célestat pour voir un ami et à un moment, je sais pas, il s'est blessé. Je voulais voir la fin du match et je lui dis tiens, ben ça va mieux. Il me dit non, c'est pas moi, c'est mon frère. En fait, je savais pas qu'il avait un frère jumeau. La première rencontre, ça m'a fait halluciner de dire voilà que je, au meilleur, je savais pas qu'il y en avait deux. Des fois, j'ai lancé des contre-attaques. À l'époque, il courait vite et il était vite devant. Et presque, je pouvais lui jeter la balle les yeux fermés. Moi, parallèlement, c'est vrai que quand j'étais en défense, je savais quel type de tir je pouvais lui laisser à l'attaquant parce que je savais qu'il allait l'arrêter. Donc, c'est vrai que c'était des petits repères comme ça qu'on avait entre nous qui nous aidaient aussi quand on jouait ensemble. Ils sont un peu hauts. Hein. Ouais. T'as un petit signe. Voilà, quand j'ai fait mes premiers matchs en première division, j'avais 18 ans, ce qui était quand même encore très très jeune pour un gardien de but. On sentait qu'il y avait quand même déjà beaucoup de technique, ce qui veut dire beaucoup de travail, beaucoup d'observation, ce qui est vraiment une marque de fabrique hein, chez Thierry Omeyer, cette capacité d'observer. Et puis la volonté, une ambition hallucinante. Thierry Omeyer, c'est un super athlète, très équilibré. Il est aussi fort du pied gauche que du pied droit, que du bras gauche. Il a cet équilibre morphologique et moteur qui fait que, vous ne lui voyez pas d'énormes défauts. Le handball français a un avantage et un inconvénient, c'est qu'il n'a pas d'école de gardien de but. Et que donc, c'est un désavantage parce que techniquement, on pêche parfois et on est obligé d'aller chercher un peu à gauche, à droite, ce qui se fait et adapter le mieux possible par rapport à ce que l'on est. Mais c'est aussi une force parce que ça n'enferme pas dans un cadre très particulier et qu'on peut se nourrir d'expériences de gardien de but très différents, avec des styles très différents, qu'ils soient scandinaves, d'Europe de l'Est, des Balkans ou autres. Les Nordiques sont tout le temps par terre, en train d'aller glisser, et Titi là, et les Slaves, ils sont toujours tout droit, mais jouaient plus dans la rapidité, l'anticipation. Et les Russes, c'est un peu pareil. Il a fait un style à lui, un style au meilleur. De toute façon, on sait qu'il faut être un peu fondu pour être à ce poste-là. C'est un sport de combat, gardien de but. Alors on dit que le handball, c'est un sport de contact, oui. Mais ce n'est pas un sport de combat, le gardien de but. C'est vraiment un sport de combat. Donc il faut avoir ce tempérament particulier. Gardien de but, c'est un sport individuel. C'est quelqu'un qui est à part dans son but, qui a une préparation bien particulière, qui doit penser à les tireurs. Donc c'est par rapport à lui qui est vraiment ciblé que sur sa performance. Et il y a tellement de paramètres autour qui font qu'à un moment donné, il peut être déterminant lors de la rencontre.
Il était, dès le début, non pas prédestiné à être le meilleur gardien du monde, parce que moi je dis toujours, et il ne faut pas m'en vouloir de dire ça, que moi je n'ai jamais vu en lui autre chose qu'un gardien de but correct qui allait devenir titulaire en équipe de France à terme. Bon, je ne pensais pas que ça puisse être le meilleur gardien de tous les temps, comme on a eu tendance à le dire ces dernières années. Tout au long de ma carrière, c'est ce qui m'a fait avancer, c'est que je me suis fixé des objectifs petit à petit, en rêvant bien sûr grand, mais en étant à chaque fois, en ayant cette part de réalité hein, au fond de moi, j'avais jamais l'impression d'arriver à un endroit et de me dire non, je suis pas à ma place. 2001 est une compétition assez forte. Elle était aussi en France, il y a énormément de pression, nous étions de jeunes joueurs, nous n'avions rien gagné. Mondial 2001 en France, je savais très bien qu'il fallait compter sur lui parce qu'il représentait l'avenir, alors que ses deux, entre guillemets, concurrents étaient quand même sensiblement plus âgés que lui. Donc voilà, il représentait l'avenir et il a été mis tout de suite en situation de pouvoir nous prouver ce qu'il valait. De là à jouer la première mi-temps de la finale, au départ du Mondial, c'était pas du tout prévu ça. Bon. Le choix de management de Daniel à ce moment-là, il est fort. Humainement, il est très fort. Alors après, rien à dire. Hein. Il avait soif d'apprendre, toujours à l'écoute des conseils des grands et même dans la vie naturelle, on sentait qu'il avait cette timidité, qu'il n'avait pas forcément la facilité de vouloir s'imposer, mais il était très, très retiré. Je me rappelle qu'on menait 3-0 et que le public avait repris 1 et 2 et 3-0. Je me rappelle après surtout la fin de match et les prolongations, le but de Greg Antil à quelques secondes de la fin qui va arracher les prolongations. Bruno qui sort le pénalty à la fin en prolongation. Et puis, ces moments de communion, ce podium, enfin voilà, j'ai encore pas mal d'images en tête. Première compétition avec Léa, il est champion du monde. Et très peu de temps après, avec son club, il gagne la Ligue des champions. Quoi. Tu te dis, waouh, ça veut dire quelque chose quand même. C'est vrai que quand j'ai décidé d'aller à Montpellier, c'était pour gagner des titres. Alors, il y a eu des titres de champion de France, de Coupe de France, mais c'est aussi pour découvrir la Ligue des Champions. Alors, Montpellier, Ligue des Champions 2003. C'est vrai qu'on avait une belle équipe, les tournois de préparation s'étaient bien passés. Et on arrive à cette finale contre Pampelune. C'est une légende. Du sport français, Jackson Richardson. Ce serait vraiment osé de dire voilà, que je n'ai pas été un échec devant Titi. Il y avait une défense de feu de Dieu et puis il y avait le papa derrière. Quoi. Et c'est là où il a réussi justement à faire cette différence parce que voilà, c'est de la solidité de défensivement et les capacités de la performance de Titi. Il est arrivé en 2000 avec beaucoup de potentiel et quand je suis parti en 2003, il nous a fait gagner une Ligue des Champions en faisant un match retour contre Pampelune qui était incroyable. Claude m'avait dit, voilà, je veux que tu joues comme tu joues en club.
Je pense que ça a été la compétition où j'ai été pour la première fois régulier du début à la fin. J'arrive à être décisif à tous les matchs et notamment cette demi-finale contre la Croatie où je fais un match énorme. Voilà, je crois que je fais 28 arrêts sur le match en demi-finale d'un championnat d'Europe contre la meilleure équipe du monde à l'époque. Et on gagne le championnat d'Europe, je suis élu meilleur gardien. Ce maillot rouge, il me caractérise un peu. Parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement d'images avec ce maillot-là. Voilà, ces trois Ligues des Champions, je pense que j'ai gagné avec ce maillot rouge. Ouais, il y a des petites évolutions, hein, notamment le nombre d'étoiles. Mais voilà. Club mythique de Kiel qui m'appelle, donc la possibilité de vivre une nouvelle expérience à l'étranger. Et je pense que ça a été peut-être la meilleure décision de ma carrière. Côté avec Kiel, c'est exactement ce qu'il lui fallait. C'est un club historique. C'est un club avec un énorme public, une salle, c'est un club légendaire et il fallait aller décrocher des titres et lui était prêt à le faire. Cette communion avec le public, 10 000 abonnés, vous croisez les gens dans la rue, ils ont toujours un petit sourire. Enfin, Kiel, c'est pas une grande ville, hein, donc voilà, vous êtes joueur là-bas, tout le monde a une petite attention pour vous. Enfin, vraiment, le côté humain aussi a été très très important dans cette... Dans cette ville. Il n'y avait personne sinon qui avait déjà gagné cette Ligue des Champions. J'avais cette expérience de la Ligue des Champions, donc j'ai essayé d'apporter cette culture de la gagne en Ligue des Champions, mon expérience. Quand il arrive, tout le monde sait que c'est un super gardien, mais tout le monde se dit on va voir, surtout qu'il forme une doublette quand même assez terrible avec Henning Fritz, hein, qui est le gardien de l'équipe nationale, qui est lui une vedette chez lui. Enfin, Henning Fritz, c'est la grosse vedette du championnat allemand. Et en l'espace de 2 mois, il le croque, il le met dans sa poche et Henning Fritz, on n'entend plus parler. À peu de choses près, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est devenu la vedette, quoi. J'ai rapidement eu énormément de temps de jeu et derrière on gagne la Ligue des Champions. Alors pour moi ça justifie encore plus mon transfert à l'époque et on fait le triplé championnat, coupe et Ligue des Champions. Donc c'était une première année vraiment rêvée. Chose qui me plaît, que j'aimerais prolonger bien sûr à l'avenir quand j'aurai complètement arrêté ma carrière. Ça permet de vivre mon sport de l'autre côté de la barrière un peu et d'être en retrait, c'est quelque chose de plutôt sympa aussi. On le sort avant le match là. J'essaye d'être le plus pertinent possible, le plus juste, de bien regarder les matchs, de trouver les points d'accroche au niveau technico-tactique aussi qui peuvent avoir un rôle sur l'incidence du match. Après, c'est le début, donc j'espère bien sûr progresser.
Parce que c'est vrai que tu peux avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, mais il faut être capable aussi de le transmettre. Et je crois qu'il a une vraie qualité pour ça. Même si j'ai l'impression que ça s'est développé surtout sur la fin de carrière, qu'aujourd'hui, il arrive vraiment à exprimer et à encadrer les gens qui sont autour de lui pour transmettre tout simplement ses connaissances. Ça, c'est un point qu'on ne peut pas retirer. C'est il le fait bien ou alors il ne le fait pas. Ça, c'est comme ça. Il est hyper perfectionniste. Il se pose une question, il ne peut pas laisser le point d'interrogation. Il faut que ce soit carré. Il y a presque cette impression de vouloir poser son empreinte partout où il passe. Tout est calculé dans n'importe quel domaine. C'est un gagnant. On joue, je suis sûr, on joue au Mikado, il va se battre pour pouvoir être le meilleur. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu envie de prouver, de me prouver à moi-même que je pouvais continuer. Gagner une fois, c'est bien, mais gagner plusieurs fois, c'est ça qui montre vraiment la vraie personnalité d'un sportif. Trois saisons fabuleuses réalisées par Thierry Kin, notamment une saison, le fameux 68-0, hein, c'est-à-dire aucun point perdu en championnat, ce qui est extrêmement rare. Titi, et c'est tout sauf un hasard, est le gardien de but du Thierry Kin au moment où le Thierry Kin est la plus grande équipe d'Europe. Quand tu joues contre Thierry Meyer, tu sais que ça va être difficile. Tu peux ressentir en tout cas dans l'équipe que c'était un problème et qu'il fallait être prêt en tout cas à marquer des buts à Thierry Meyer. Cette équipe paraît invincible et lui est devenu vraiment une image du club en quelques années, en quelques mois. Et c'est extrêmement frustrant de jouer contre Kiel parce qu'à la fois on est émerveillé, mais on se dit qu'on n'a pas trop de chance. À chaque fois qu'il faisait un arrêt, c'était « You're simply the best ». Tu vois, il y avait comme ça 3-4 secondes. Et quand à la fin du match, t'en pouvais plus d'entendre Tina Turner, c'est que c'était pas bon à un moment donné, c'est que t'en avais pris. Et puis je le revois avec ses deux bras levés comme ça, tu sais, sa mimique habituelle. Et j'entends « You're simply the best ». Et on n'en pouvait plus, nous. Quand je disais que les joueurs avaient tiré au meilleur en face et donc ils prenaient un peu plus de risques au tir, c'est aussi ça, parce qu'il y avait cet impact psychologique qui était très fort sur le tireur. C'est comme un boxeur. Déjà, il prend l'ascendance sur l'équipe adverse, sur les joueurs individuellement, avant de jouer. J'ai adoré ça. J'ai adoré cette lutte et cette envie de faire en sorte que le joueur il ait peur de venir tirer. Parfois, il refuse le shoot et c'est arrivé hein, sur des ailiers dans des duels où sur lesquels j'avais pris l'ascendant psychologique et je voyais des grandes possibilités pour le tireur de venir et il faisait les passes. Et c'est là où tu sais que tu as gagné, en gros. Et c'est ça que j'ai bien aimé, ouais. C'est toujours mis dans un état d'esprit différent à chaque fois que le match commençait, où il est devenu un tueur, tout simplement. Il savait que la réussite de l'équipe passait par sa performance. Et là, effectivement,
il faisait peur. Il faisait peur à tous les adversaires qui arrivaient en face de lui. Je savais qu'il connaissait mes impacts préférentiels. Je savais qu'il connaissait la manière que j'ai de bouger, mes mouvements. Et je savais que si je ne me renouvelais pas un peu, j'allais passer un match compliqué. Après avoir fait un arrêt, je regardais le joueur, j'essayais de le brancher un peu. Et s'il baisse la tête, ben tu sais déjà que voilà, s'il te regarde pas, s'il essaie justement d'éviter de croiser ben ton regard, tu sais que t'as gagné. Ouais, mais Thierry, il était un peu plus chambreur quand il était jeune. Mais je pense qu'il avait besoin de cette agressivité pour se transcender dans l'adversité. C'est le trophée que j'avais reçu quand j'avais été le meilleur joueur du monde en 2008. Donc un grand honneur et une grande fierté d'avoir reçu un tel trophée, une telle distinction. Ça m'a conforté dans l'idée que ce que je faisais sur le terrain, eh ben, c'était bien. En 95, je suis champion du monde et meilleur joueur du monde. En fait, en gros, tu te mets en question de dire, voilà, je dois montrer ce que je suis le meilleur joueur du monde. Et pour pouvoir le faire, c'est que, en gros, tu es toujours essayé de faire plus, de valoriser, parce que tu as peur d'être montré du doigt. Ah, c'est ça le meilleur joueur du monde. Tout ce que je voulais, c'était aussi me montrer à la hauteur d'un tel trophée. Et ça a souvent été le cas avec Thierry Omeyer, hein, qui a réussi des feuilles de match à près de 40, 45, 50%. Et à ce moment-là, vous savez quoi, lorsque vous êtes adversaire, vous pouvez toujours continuer et vous devez continuer. Mais un gardien est extrêmement déterminant dans le handball lorsqu'il est au top. Et lui, il a été pendant très longtemps. Voilà, c'est bien. Ok ? Super. Attends. Tac. Ok. Hop. C'est bien. Viens au-dessus de ta tête, sans, faut pas que tu bouges les pieds. Voilà. Super. C'est bien. C'est mieux. Faut bien que tu l'envoies au-dessus de ta tête, cette balle. Ok ? Vas-y. Plus haut et plus haut, hein. C'est bien. Dommage, c'est bien. Essaye encore. Ils s'entraînent beaucoup. Ils essaient de progresser et d'apprendre des choses. Et moi, je viens ici pour leur donner des conseils. C'est des jeunes handballeurs. Donc j'essaye de nuancer un peu tout ça, tout en essayant de leur inculquer justement cette culture d'exigence à l'entraînement. Et toi, en face, là. Et toi, là. Ok. Là, je vais toucher le poteau. Hop, et là, vite. Je vais attraper. Je renvoie la balle, je me replace et là je veux. On a le temps entre deux passages. L'important c'est de le faire vite sur le passage ou sur l'explosivité. Ok ? Vas-y. Ouais. Pendant de longues années, son côté est exigeant avec lui-même, mais surtout avec les autres à l'entraînement, et qui n'était pas forcément extrêmement apprécié en interne pour ceux qui le vivaient au quotidien parce que c'était fatigant. Il était fatigant peut-être. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un d'apprécié, mais de manière incroyable, et qui s'engage aussi pour les autres, qui n'a plus peur d'aller voir les autres et de parler avec, de s'ouvrir, de donner les conseils, de transmettre, ce qui est vraiment essentiel pour lui. Stop. Je veux pas que tu te laisses embarquer. Quand t'es là, je veux pas que tu te laisses embarquer. Là, tac, trop loin. Tu vois, t'es là, tac, je pousse. Et c'est un côté ludique et l'échange avec les enfants est hyper sympa. Je pense qu'il a... sur son poste quand même était l'un des meilleurs au monde, ce serait quand même dommage de tout garder pour soi, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. 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 Ouais.
On avait une équipe où on avait les meilleurs joueurs pratiquement à tous les postes, une génération exceptionnelle. Et avec Claude qui avait réussi à faire en sorte que tout le monde mette son ego au service du collectif, qu'on arrive vraiment à avancer tous ensemble. On avait un avantage psychologique qui s'est construit au fur et à mesure des années sur les équipes adverses et on n'avait pas envie que ça s'arrête. Le titre olympique de 2008, ça restera la plus belle. Quand je me remémore ces moments-là, c'est le rêve que tu as eu et que tu as eu depuis tout petit, mais que tu ne disais jamais que tu allais pouvoir le réaliser, en fait. Champion olympique, quoi. Ah ben 2008, ben super. Donc je pense que pendant un certain temps, ben, c'est l'euphorie. D'abord, il y a un temps pour réaliser ce qu'ils ont fait. Et puis ensuite, arrive le temps où on se dit, bon ben, dans 4 ans, on remet ça. En Croatie, contre l'équipe de Croatie, c'était un match que tout le monde avait envie de jouer. Il y avait 15 000 personnes contre nous, mais nous, on était tellement soudés. Franchement, il y a les matchs à domicile, mais gagner à l'extérieur, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel aussi. On était exigeants, on était compétiteurs. On ne se pardonnait rien. Quand on était à l'entraînement, on se poussait les uns les autres. Tout le monde avait envie d'être le plus performant possible parce qu'il y avait tellement de bons joueurs à côté que forcément ça stimulait tout le monde. On va dire dans le central, dans la période, c'était bon, on va passer Bertrand Gilles. Après, si on a passé Bertrand Gilles, il faudra passer Didier Dinard. Après avoir passé Didier Dinard, il faudra passer encore Thierry Meyer. J'avais une relation assez particulière avec Thierry. Parce que Thierry, on s'entendait très bien. J'accompagnais au maximum les joueurs au niveau du contre. Et donc, je prenais un espace devant le tireur et Thierry s'adaptait derrière. Je pense que cette complicité faisait qu'il avait besoin de cette espèce de rempart, ce miroir devant lui pour pouvoir se calquer. Avec un mur comme ça derrière, mais tu savais que quand même on avait à avoir beaucoup de ballons pour essayer de marquer des buts. Donc ça nous permettait de vraiment avoir une certaine confiance en nous sur le plan d'attaque. Bah, Thierry fait toujours les arrêts qu'il faut. Il peut peut-être passer au travers durant toute la partie et il va te sortir peut-être les deux arrêts qu'il faut pour pouvoir gagner la rencontre. J'ai toujours très mal vécu les matchs où j'ai pas été bon. Il pouvait être à la limite de pleurer quand il n'était pas bon. Mais ça, je l'ai vu une fois comme ça, j'arrive même pas à me souvenir parce que ça lui est pas arrivé souvent. Et on a dit, allez Titi, c'est pas grave. Et il était presque au bord des larmes. On a dit, ouais, c'est pas grave, ça m'énerve. Je sais pas, il avait explosé ce jour-là. Après un mauvais match, bah, je vis tellement mal. Et pendant 2 jours, il fallait pas me parler. En fait, je faisais la gueule. Ou c'est pas que je faisais la gueule, c'est que j'étais tellement renfermé sur moi-même pour justement me mettre dans un état qui faisait que j'allais être bon au match d'après. Encore un petit pincement par rapport au Mondial 2011. Thierry a été en difficulté lors de cette fameuse finale au Danemark et il a su faire les arrêts, on va dire, à la 65e. On aurait aimé qu'il les fasse avant. Sur la finale des Champions du Monde, forcément, je ne fais pas mon meilleur match. La première mi-temps se passe plutôt bien. Deuxième mi-temps, encore ça va jusqu'à la 40e et après, de la 40e à la 60e, ben là, j'arrive plus à faire un arrêt et je vois l'équipe du Danemark qui remonte et moi, ben, j'essaye de faire un arrêt, mais voilà, forcément, à un moment, mais derrière, Claude ne me sort pas, il me fait confiance
Et derrière, il y a ce dernier tir à 5 secondes de la fin où tu te dis, bah, si je l'arrête, eh ben, on est champion du monde. Et t'as fait l'arrêt qu'il faut. Sauf que derrière, je n'arrête pas, on va en prolongation. Et là, moi, je me sentais mal parce que j'avais l'impression que c'était de ma faute si on était en prolongation et si on n'avait pas été champion du monde. Mais là, personne dans l'équipe m'a dit quelque chose. Et Claude m'a fait confiance. Et quand on est allé au vestiaire, ça m'a fait du bien parce que tout le monde a été derrière moi et tout le monde m'a dit, voilà, tu vas faire les arrêts en prolongation. Et derrière, j'ai fait deux arrêts en prolongation qui ont été déterminants. Et derrière, tout ce que j'avais envie, c'était de remercier tout le monde parce que voilà, ça montrait l'état d'esprit de cette équipe. Ça caractérise bien le joueur, c'est-à-dire cette capacité d'avoir des réactions d'orgueil, tout en gardant la lucidité nécessaire pour pouvoir être concentré et faire les arrêts quand il faut. Ça arrive au terme de cette période de domination de l'équipe de France de manière incroyable comme il n'y a jamais eu dans le monde pratiquement du handball, de 2008 à 2012 avec les titres de champion d'Europe, champion du monde, etc., etc. Regagner une deuxième fois un tel titre, voilà, c'est tellement énorme. Bah, quand on est champion olympique en 2012, bah, je me dis voilà, bon, essayez d'aller jusqu'en 2016. Les années avant, tu te dis, voilà, il y a ce championnat du monde qui arrive en 2017 et qui est en France quelques mois après les JO. J'avais envie de me lancer un dernier challenge et voilà, de revenir en France pour vivre encore de belles aventures avec devant le public français, voilà, dans un premier temps à Montpellier, puis au Paris Saint-Germain. Il est arrivé à Paris avec ce challenge, cette équipe de stars dans laquelle il devait jouer son rôle. Je pense qu'on n'a rien à lui reprocher. Hein. C'est particulièrement une valeur sûre. C'est quelqu'un dont la notoriété dépasse aussi le cadre du hand, qui fait partie du paysage du sport français, qui est apprécié, très apprécié. On s'en rend compte chaque fois qu'on se déplace. Donc il y avait beaucoup, beaucoup d'atouts qui en faisaient un élément important de l'équipe et de la construction justement de l'histoire du Paris Saint-Germain de Bâle. Ce qu'on a pu voir sur ces dernières années, justement, c'est qu'il arrive à le retranscrire sur tous les joueurs de son équipe. Donc le fait d'être à 200%, le fait d'être motivé, le fait d'être aussi très performant dans les moments importants, il arrive à mettre cette exigence-là avec tous les autres joueurs de son équipe. J'ai encore vécu des grands, grands moments. Voilà, avec cette Ligue des Champions, des Final Four. Attention à Jepson, c'est lui et l'arrêt de Thierry Omeyer. On a avancé déjà avec le club, qui est un club très jeune, et aussi parce qu'on a maintenu le Paris Saint-Germain à un très haut niveau
et on est dans le top niveau européen. Le Final Four où on va en finale, où on perd en finale, et c'est lui qui nous maintient en vie. D'abord, c'est lui qui fait la plupart du job contre Veszprém en demi-finale, et c'est lui qui nous maintient en vie jusqu'à la dernière seconde contre le Vardar. Donc c'est... Et on l'a retrouvé au Paris Saint-Germain tel qu'en lui-même, quoi. Et c'est pourquoi on l'avait fait venir, mais il a assumé ce rôle de façon incroyable. Champion ! Sur un titre de champion du monde, c'était la plus belle sortie pour toutes ces années avec l'équipe de France. Vivre des matchs devant 28 000 personnes à Lille, revivre une finale de champion du monde 16 ans après à Bercy, devant aussi l'évolution du handball entre ce titre de 2001 et de 2017. On sentait vraiment ce partage avec nos supporters qui nous ont suivis tout au long des années. Et là, de pouvoir fêter un titre avec eux, avec tous ces gens dans cette salle qui appartient à l'histoire de l'équipe de France, c'était simplement magique. Que ça a été en 2001, où c'est le gardien qui monte, que Daniel lance comme ça, qui fait débuter la finale, ou que ce soit en 2017, où c'est plutôt Vincent Gérard qui joue, mais Thierry, il est là. Et il est partie prenante à chaque fois de ces titres-là, en 16 ans d'écart. Et ça se mesure pas forcément seulement au nombre d'arrêts qu'on fait. Ça se mesure à des petits côtés un peu indicibles qui sont l'impact dans le groupe, la dynamique qui est créée, le rôle de capitaine qui est assumé, l'impact, comme ce que je disais, l'impact sur l'adversaire aussi. Le journal. Hey Titi. Ça va ? Ça va ? Bienvenue. Super, merci. Bienvenue à la Diaos. Oh, c'est cool. Ouais. Chouette. Moi j'ai son invitation, C'est bien de pas m'avoir arrêté toi en même temps. Enfin, moi si j'arrête, c'est parce que je savais que je voulais arrêter et que c'était le moment. Et... Donc il n'y a pas de raison de revenir. Tu finis sur le Mondial 2017. Voilà, ouais. Ouais. Au summum du. En France. Voilà le truc qu'aurait pu me faire, tu vois, ce qu'il me disait, je parlais avec, je sais plus qui me disait, ah mais tu pourrais pousser un an, il y a les jeux après et tout, tu sais, dans un an. Mais bon, c'est vrai que les jeux, c'est le seul truc qui aurait pu me pousser. Bah, tu feras un comeback en 2023. Mmh. Un an avant, alors. Thierry au meilleur. Tu crois pas que tu vas arrêter le sport, hein. Ah non. On va te remettre ce coffret. Merci beaucoup. Avec cette paire, ouais, c'est génial. Le petit au meilleur. Normalement, je les ai comptés 8 fois, ils sont tous là. Ouais, même le dernier titre de champion. Je crois. Match où il faut être là et répondre présent. Et c'est ces matchs-là où tu te mets dans un état tel que tu transformes, que tu vibres avec le public.
te met dans des états entre guillemets second et des fois je revois des images de matchs où je me dis c'est moi ça. A vécu un grand moment, que ce soit sur le terrain, dans les tribunes, dans le club. Et c'est un match qui marquera l'histoire parce que faire remonter pratiquement 10 buts et on est passé à deux doigts de le faire. J'ai pris du plaisir à jouer ce match comme j'en ai pris beaucoup dans tellement d'autres matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, il n'y a pas la Ligue des Champions au bout, mais il y a eu quand même de très très grands moments. Il pleurait parce qu'il ne voulait pas que je sois triste, parce que c'était mon dernier match de Ligue des Champions, parce que je ne pourrais pas gagner la Ligue des Champions cette année. Je lui ai dit que papa il avait eu la chance de gagner déjà beaucoup, beaucoup de titres. Et que voilà, je sais pas, c'était un moment d'émotion très fort avec mon fils. Et c'est un moment qu'on a partagé ensemble. S'est rendu compte que bah voilà, la Ligue des Champions, bah, ce ne sera plus pour son papa. Quoi. J'ai ressenti de la tristesse parce qu'effectivement, on ne s'était pas qualifié avec un scénario de match un peu incroyable. Mais j'ai surtout été triste parce que c'était son dernier match et que je voulais pas que ça finisse comme ça. Voilà. Après, ce sont les événements qui décident. Mais ça a été émotionnellement le plus dur, c'était ça. J'ai envie de progresser, donc c'est vrai que je prends pas mal de temps pour essayer d'améliorer ça. Et je pense qu'une fois que j'aurai arrêté ma carrière, je pense que j'y travaillerai encore plus. Je pense que c'est un nouveau défi. De toute façon, il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il ne sera pas satisfait de son niveau. Donc je suis sûre qu'il y arrivera. Tu vois, hey, tu l'as. Qu'est-ce qu'on a dit? Oh, il l'a en plus. Allez, belle. Bon, c'est bon, j'arrête le golf. Je suis plutôt impatient, excité de voir ce qui va m'attendre et de voir comment je vais vivre cette nouvelle vie. C'est quelqu'un humainement qui est prêt à donner beaucoup. Il s'engage pour les autres avec
des horizons très divers. Son engagement à l'hôpital, hein, avec les enfants, alors évidemment pour des partenaires, mais pour d'autres sports, voilà. I am show. Tu te prépares, tu mets bien tes mains comme ça. Ça, si les tirs viennent en haut, hop, tu peux les arrêter. Ça fait un raisin dans ma tête. Ouais. Mais ça va, elle est pas trop dure, la balle. Hein? Ça va, tu sais, moi j'en prends tout plein. Hein? Ça va? Là, t'as quel âge? Là, j'ai bientôt 43. Quoi? T'as 42 ans? Ouais. Et t'as commencé quand? J'ai commencé, j'avais 6 ans. Et en professionnel, j'avais 18 ans. Ah. Donc ça fait quelques années maintenant. Ah, ça se voit que j'ai 42 ans? Non. C'est à cause des cheveux? Non. Hein? Voilà, c'est mais ça, non, hein. Non. Évidemment qu'on n'allait pas lui demander de jouer jusqu'à 50 ans. Mais bon, je le trouvais encore en forme. Bon, il a pris sa décision, on respecte tout à fait. Il y a bien un moment où il faut que ça s'arrête, mais nous, on est hyper égoïstes et on avait envie que ça continue juste pour le plaisir, quoi. Parce que cette vie nous plaît et que ça va nous manquer, quoi. Tout ça. C'était ma 25e saison professionnelle. Toute ta vie est rythmée par le prochain match. En tout cas, moi, j'ai toujours vécu comme ça. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui va sourire à moi. Alors même si je vais rester dans le milieu du handball, il n'y aura plus cette adrénaline des matchs. Simple, mais bien. Il peut avoir des moments difficiles quand même. Alors difficiles peut-être pas, mais des moments un petit peu... des petits coups de blues, en se disant... c'était bien quand même avant, hein. C'était quand même pas mal ce qu'on faisait. En fait, moi, pendant toute ma carrière, je me disais jamais je vais arrêter. Donc j'ai forcément, le plaisir, il a toujours été là, la passion de mon sport. Je suis assez fier de cette longévité et surtout d'avoir pu continuer à être performant tout au long de ma carrière.